le visiteur va être invité dans l'œuvre. Et je pense qu'il est très surpris de ce qu'il vit ici. Je suis allé naïvement. Intéressant comme dispositif. Je me suis retrouvé plongé dans un univers où il fallait que je fasse partie du tout. Ein Künstler ohne Werk. Passant, spectateur. C'est ma femme qui m'a proposé de venir. Me hubiese quedar mucho más. Confiance, comme d'habitude, je les suis. Ça ne m'a procuré strictement rien. Un artiste qui vend du vent. Une performance arty. It's anything but performance. N'est pas très intéressante. On raconte des choses qu'on n'aurait même pas dit à des gens qu'on connaît bien. Il y a des gens qui sont plutôt émerveillés et ça se voit dans leur regard. Mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas du tout le but de l'œuvre. There are no books about Tino Segal's work. I tried to convince him for years, but he never wanted one, because he was always concerned that this would freeze the experience. He wanted the entire communication, the whole transmission of the work, and its documentation, to take place orally. So it was an important step forward when we finally obtained his agreement to shoot a film. This documentary film, authorized by the artist, depicts his work and his exhibit without documenting the artwork itself, only the conversations. In fact, it's the portrait of an exhibition. There are participants, there are artists, dancers too, choreographers, Asad Raza's producer, Rebecca Lamarche-Vadel's curator, as well as visitors. I find it very interesting that such a polyphonic film was created for the first time. When he has exhibits in Paris, London, or New York, Tino creates what looks like a sort of social sculpture, carrying out a conversation with hundreds of persons every time, and integrating them into the work. So they become key players. In dem Moment, wo man an Präzision interessiert ist und an der Kreation, sagen wir mal, von einem bestimmten Spiel, dann ist man eben nicht in einem anderen Spiel drin, ne? Und in einem bestimmten Set von Spielregeln drin und eben nicht in einem Set von anderen Spielregeln, ne? Für mich ist eher so eine Frage der Setzung, der Präzision, des Entwurfes, so, ne? Donc le hall du Palais de Tokyo est désormais habité par un rideau monumental de Félix González Torres, un passage qui est le point de départ de l'entrée dans le rituel développé par Tino Segal. Quand le rideau monumental est traversé, nous sommes accueillis par une personne qui danse autour de nous en nous demandant ce qu'est l'énigme à plusieurs reprises, puis nous laisse la place pour répondre à cette question. En fait, l'exposition de Tino Segal s'ouvre sur la responsabilité du visiteur, sur le fait que sa réponse va déterminer son aventure dans cet espace. On passe sous une œuvre de Daniel Buren qui recouvre l'ensemble des espaces du palais dans ce hall et qui transforme donc complètement notre expérience. Et c'est sous cette œuvre qu'un enfant vient vous tendre la main et vous explique qu'il est une œuvre de Tino Segal. Cet enfant a une dizaine d'années et on lui fait confiance. Il nous pose la question « qu'est-ce que le progrès ?» Et donc cette question, et surtout notre réponse, va être la trame de l'ensemble de cette œuvre et de la manière dont elle se déroule. La première chose que je leur demande, c'est quoi le progrès? La chose que j'entends le plus souvent, c'est « quelle vaste question !» Mais j'ai aussi, par exemple, c'est l'évolution. Quand ils répondent ça, je leur demande de l'homme ou ce qui entoure l'homme. Et s'ils disent quelque chose d'autre, je dis « est-ce que c'est technique, mental ou physique ?» J'y ai répondu que le progrès était quelque chose qui n'existait pas, mais pourtant qui était essentiel à la possibilité d'être humain. C'est-à-dire que notre humanité ne pouvait être d'accord avec elle-même
qu'en ayant l'illusion que nous allions aller toujours plus loin, que nous avions une destination et une direction. Cet enfant m'a écouté, un adolescent est venu nous retrouver et l'enfant a expliqué à cet adolescent les quelques mots que j'avais utilisés. This progress, diese Arbeit, wo man mit vier unterschiedlichen Leuten aus vier unterschiedlichen Generationen spricht. Das Gespräch ist halt jedes Mal anders. Das Gespräch hängt ganz stark davon ab, was du am Anfang sagst, auf diese ursprüngliche Frage, was ist Fortschritt? Es hängt auch davon ab, was du im weiteren Verlauf sagst. Das ist wirklich dein This Progress. L'adolescent m'a demandé qu'est-ce que je pensais du fait qu'on était en train de marcher ensemble et de discuter. Est-ce que ceci n'était pas donc une preuve du progrès? Il m'a abandonnée pour me mettre dans les mains d'une adulte. Et elle m'a parlé de la question de la transformation du monde au travers du langage. Diese Arbeit ist nicht ein Gespräch, wo die Leute über irgendwas reden, sondern diese Arbeit ist ein Fokus auf dich. Ja? Und wenn jemand erzählt von seiner eigenen Erfahrung, dann kommt das eher rüber, ja? Als wenn man sozusagen so objektivierend mit dem Objektiv einer Kamera es da drauf hält. Avoir un accès comme ça, de pouvoir dialoguer avec des enfants, j'ai trouvé ça assez étonnant. C'est très marquant parce que on a eu un contact avec quelqu'un, à chaque fois différent, des âges différents comme les âges de la vie, le temps qui passe. Et je trouve que c'est un désir de communication, de rencontre. Les gens nous parlent de choses extraordinaires. Et là, il y a un enfant qui m'a posé une question et qui m'a demandé qu'est-ce que le progrès. Et je lui ai dit que le progrès est la destruction. Parce que l'homme, en progressant, détruit la planète dans laquelle il vit. Je crois que l'enfant était un peu déconcerté. Je lui ai demandé qu'est-ce que le progrès. Il m'a dit c'est une carotte. Vu que la seule chose que je pouvais répondre pour ne pas être hors sujet, c'était est-ce que c'est une carotte râpée ou une carotte non râpée. La personne âgée de This Progress nous accompagne jusqu'à ce vaste espace où elle nous laisse en nous serrant la main. Et ce vaste espace s'ouvre sur des milliers de mètres carrés vidés du palais de Tokyo. Une espèce de coquille qui désormais n'accueille plus que des humains qui sont les objets et les œuvres immatérielles de Tino. L'objet œuvre, c'est celui d'une troupe, d'un groupe, d'un collectif qui est face à nous et qui déambule dans l'ensemble de ces espaces. C'est-à-dire qu'ils évoluent selon des rythmes dont on sent qu'ils les partagent, qui accélèrent, décélèrent et qui nous mettent finalement en dehors de l'œuvre. Grundsätzlich habe ich versucht, den Leuten unterschiedliche Optionen auch zu geben, des sich beteiligen. Zum Beispiel diese Associations, diese Arbeit mit diesem Art Schwarm von Menschen von 40 bis 70 Leuten, die so an Vogel-Schwarmbewegungen angelegten Formationen sich bewegen. Die war halt konzipiert zuerst für die Turbine Hall in London. Und da war mir halt wichtig, dass man halt unterschiedliche Formen des Engagements haben kann. Ja? Also, das heißt, du kannst diese Arbeit aus der Weite dir angucken für ein paar Sekunden und siehst ja irgendwie wie so ein Vogelschwarm von Menschen. Du kannst irgendwie eine Weile lang zugucken und kannst sehen, wie sich das alles verändert, vielleicht mal einen Gesang hören. Und du kannst noch, wenn du mal ein bisschen länger bleibst irgendwie und dich auch in diese Gruppe hineinbewegst, dann kommst du sozusagen ins nächste Level von der Arbeit und da fangen an, Leute dir was zu erzählen, relativ persönliche Geschichten und so. Das heißt, es ist wie so eine Schichtung von, wie stark wirst du impliziert. What basically tends to happen is that we create a community. Because the piece, especially these associations, is about creating a feeling of collectivity. So it's really up to the collectivity rather than the individuality. And in this sense, you really get a feeling of making a work collectively, and that no person is more important than another person. And I think this is really important to mention. Für mich sind das alles Elemente einer Situation. Also was gibt's für Modalitäten, mit denen wir aufeinander einwirken können? Der Blick, das Sprechen, irgendwie das Verhältnis von Körpern zueinander. Ja? Also wenn ich mich dafür interessiere, wie kann man diesen Raum zwischen zwei Menschen gestalten oder zwischen unterschiedlichen Menschen gestalten, dann gibt es halt irgendwie eine begrenzte Anzahl an Modalitäten. Ja? Und Sprechen ist eine davon, Körperhaltung ist eine andere.
Tino Zagal grew up in Böblingen, near Stuttgart. As a child, or a teenager, he came across a work by Marcel Duchamp, which became something of a reliquary for him, a very important book. He was still very young when he understood the importance of art, its power to change the world. This became a major aspect of his work. Then he turned to choreography. Ich denke, so meine Tradition, so mehr kommt von Jérôme Bell oder Xavier Leroy. Gerade was Jérôme ja stark propagiert hat, war die Idee des Konzeptuellen im Tanz. Die Idee ist das, was das Kunstwerk macht. Das heißt, wie Jérôme hat seine Arbeiten im Grunde in seinem Wohnzimmer konzipiert und ihr Probenprozess war nur sozusagen wirklich das Einstudieren, was er sich vorher schon überlegt hat. Ja? Und auch meine Probenprozesse sind 2-3 Tage. Ja? Normaler Probenprozess ist irgendwie mehrere Monate. Ja, da entwickelt man das Material erstmal. Leute wie Jérôme oder ich, wir überlegen uns die Arbeit und dann wird sie einstudiert, könnte man sagen. Was ich auch so ein bisschen dann angenommen habe und dann weiterentwickelt habe, war halt so eine Art Gewaltenteilung. Das heißt, und das hat viel mit Spielregeln zu tun. Das heißt, ich bin allein derjenige, der die Spielregeln setzt. So. Die Spieler entscheiden aber im Moment des Spiels alleine, was sie genau sagen, wie sie genau spielen. Ja? Das ist eine Gewaltenteilung. Das heißt, am Anfang entscheide ich alles, die nix. Bei der eigentlichen Aufführung entscheiden die alles, ich nix. I would be very, very careful to define dance as dance, especially in the work of Tino. It's absolutely not dance. It's everything but dance. It really accesses the everyday, the movement of everyday. It's very pedestrian. That's why Tino considers himself a visual artist and not a dancer. Our first real encounter took place at the Frankfurt Manifesta, where he received international recognition for the first time with his living sculptures. These are not performances. It's very important to point this out. From the very start, he distanced himself from the idea of performance because it is always limited in duration. A performance has a beginning and an end. It's an event. Straight away, Tino wanted his live art to be a component of the opening hours of the museum. Ich glaube, Kunst gibt es gar nicht ohne Kunstgeschichte. Es gibt Malerei, es gibt Skulptur, es gibt Tanz, es gibt Gesang, es gibt Musik jenseits als Tätigkeiten, als quasi anthropologische Konstanten. Aber sozusagen Kunst in diesem Sinne, wie wir es verstehen, seit ein paar hundert Jahren hier ausgehend von Westeuropa, ja, und dann in die ganze Welt importiert, hat ursprünglich was mit dem Museum zu tun, Idee von Weiterschreibung. Es muss immer diesen Anschluss haben an das Alte und trotzdem was Neues sein. Das ist die Spielregel. Ja? Deswegen, glaube ich, war auch meine Arbeit sehr früh sehr erfolgreich, weil es eben diese Spielregel ganz konventionell, ganz klar erkennbar erfüllt hat. Ja? Von Museumsdirektoren war das sofort verständlich. Warte mal, das ist was Neues. Trotzdem war eben dieser Anschluss gegeben an die Kunstgeschichte, weil es eben in Ausstellungen stattfand. Ich glaube, wenn du jetzt die Besucher fragst, die hier sind, ob die das als was Konstruktives empfinden, würde ich mal schätzen, dass die meisten das als etwas Konstruktives empfinden, sonst wären sie gar nicht hier. Die kommen wegen der Konstruktion. Es ist halt eine Konstruktion von Handlungen, eine Konstruktion von Situationen und nicht eine Konstruktion von Dingen, die normalerweise in diesen musealen Räumen gezeigt wird. Es ist halt was anderes. The three big projects that I worked on together with Tino were the show that he did at the Guggenheim Museum in New York in 2010, the show at the Turbine Hall of Tate Modern in London in 2012, and this show at Palais de Tokyo here in Paris. The size and complexity of those shows is something that we worked on for over a year because it's outside of all the established formats. It's not theater, it's not a film shoot, it's not a volunteer thing. It's like there's a whole set of factors that I think museums have not done.
The Palais de Tokyo is like a warren of different rooms and different spaces that you usually get lost in. We tried to kind of open it and clear it to create a slightly new version of the Palais de Tokyo for people to experience. Das Visuelle ist schon sehr wichtig für mich, aber natürlich das Visuelle als ein Sinn unter anderen Sinnen. Die Moderne war halt dadurch gekennzeichnet, dass man gesagt hat, okay, wir trennen jetzt mal die Sinne voneinander und für jeden Sinn gibt es eine Kunstform. Ja? Und die bildende Kunst ist halt, oder in Englisch, Visual Art, also visuelle Kunst, Sehkunst, ja, ist halt die Kunst für den Sehsinn. Der Sehsinn ist halt der Sinn, der die weiteste Distanz überbrücken kann. Das heißt aber auch, dass du dich in der Distanz bringen kannst. Also man braucht ja auch einen Abstand, um zu urteilen. Also das ist ein ganzes, um es mal kurz zu sagen, hegelianisches Dispositiv, ja, von irgendwie Abstand, nicht mitten in der Immanenz der Dinge sein, sondern irgendwie mit Abstand Sachen beurteilen. Und deswegen ist ja die bildende Kunst auch so wichtig für sozusagen aufgeklärte, rationalistische Gesellschaften. Ja? Das ist dann der rationalistischste Sinn. Ja? Musik, Ohren geht gleich in den Körper rein, Tasten geht auch, ist gleich am Körper dran. Ja? Mit dem Sehsinn kann ich Abstand halten. Ja? Also diese Abkühlung, die Hegel wollte. Ja? Ich bin natürlich Teil dieser Gesellschaft, die eine rationalistische Gesellschaft ist. Aber mich interessiert halt auch andere Sinne dazu zu bringen, wie in This Variation. Das ist ein Raum, so ein dunkler Raum, wo 14 Tänzer tanzen und singen. Und man sieht aber nichts und das Gefühl ist auch, dass viele Leute erleichtert sind, dass sie mal aus diesem Sehsinn rausgezogen werden. People don't know what's happening. It's dark. They can hear things. They don't know really the situation. And so often it's really this like walking in blind, and then we're also taking care of them also. We can see in the dark because our eyes adjust. And so we really also then start to incorporate them in terms of like giving them some sound, or if they're really lost, making sure they're not going to run into the wall, or looking after them in this sense. But of course, some people try to participate and they participate really beautifully. But I feel like there's often a generosity there where there's this exchange in the work. This variation has a frame, let's say. There's a structure around which we DJ. So the structure includes set choreographies and songs, which we practice and rehearse beforehand. But then everything is kind of in real time negotiated in that moment. So we have a cueing system, and then after we get really comfortable and we trust each other and listen enough, we don't actually need to use the cues at all. We just like introduce a song or introduce a moment, and then we go for it. So it's this idea that we achieve this group mind or this group mentality or collectivity, however you'd like to describe it, and everything is in real time negotiated. Tino Segal created a hybrid between an exhibit that's global, that can be experienced as a whole, and an exhibit that reveals its most important influences. At the beginning, we meet Felix González Torres and also Daniel Buren, two artists who counted a lot for him. Later in the journey, you come across James Coleman, then Philippe Pareno, and at the very end, Pierre Huyghe. Dans la salle 37 du Palais de Tokyo se trouve la pièce Annie et Marcel, un prolongement d'une œuvre qu'on avait présentée en 2013 et qui s'appelle Annie. Ce personnage, en fait, est né des mains et des esprits de Pierre Huyghe et Philippe Pareno qui, en 1999, arrache ce personnage de manga à une agence japonaise et décide de la mettre dans le monde de l'art. Annie surgit toujours après la vidéo de Philippe Pareno. Elle est retrouvée par un petit garçon qui s'appelle Marcel, qui interroge Annie sur ce qu'elle est. Bonjour, je m'appelle Ginger. Et il y a 3 ans, quand Tino Segal a fait une petite exposition au Palais de Tokyo, j'ai été appelée pour faire Annie. Et cette année, on m'a rappelée pour faire Annie et Marcel.
ce personnage qui s'appelle Annie, je trouve qu'elle est assez mélancolique en fait. Parce que elle n'a jamais ressenti un peu les émotions des humains, puisqu'elle sort d'une vidéo. La plupart du temps, c'est moi qui parle au public, mais Marcel intervient pour me parler. Et voilà. Ouais. Et en fait, ça devient un dialogue entre Annie et Marcel qui est assez étrange en fait, parce ouais. que les deux sont un petit peu bizarres. Annie fait des mouvements comme ça et Marcel, c'est sa deuxième vie. Donc Marcel en référence à Marcel Duchamp. Annie, elle fait un mouvement très lent et assez gracieux quand même. Et Marcel, c'est un humain comme tout le monde, même s'il est parfois un peu étrange. Marcel, c'est un personnage comme tous les autres, sauf qu'il est, comme celui-là l'a dit, il est étrange, il a des différents goûts. Et à première vue, les gens penseront qu'il serait peut-être bizarre. Je dirais pas tordu, mais la pièce est formée d'une façon à ne pas complètement comprendre jusqu'à la fin. Donc certains gens s'ennuient et sortent de la pièce, mais d'autres savent qu'il va se passer quelque chose et ils restent jusqu'à la fin. The way in which I notice people react best is when they allow time. And I think this is a really important thing, the factor of time, duration. In a society where everything is so fast and the culture is all about give me now, immediately, instant to instant via, you know, text message or these constant prompts. I think a human being is less used to sit with an artwork. Mais c'est vrai que c'est particulier aussi de rester comme ça, c'est quand même une exposition assez longue et de rester tout ce temps aussi en contact avec les gens et avec l'humain en fait. Ouais. Voilà. C'est une expérience. C'est particulier. Une expérience du temps, ouais, qui est très importante, je crois. Il y a quelque chose de très paradoxal avec le travail de Tino, c'est qu'il est éphémère, il est à chaque fois singulier, et en même temps, il est structurellement reproductible. Il s'agit en fait de donner des règles du jeu à ses participants, dans lesquelles chacun trouve un territoire d'expression de soi. Chacun des participants de Tino Segal et qui travaille avec lui pour certains depuis plus de 10 ans sont ou deviennent la mémoire de ces œuvres, la mémoire physique parce qu'ils ont incarné ces œuvres physiquement, mais ils deviennent aussi cette mémoire intellectuelle. Klassische bildende Kunstwerke existieren oder überdauern durch ihre Materialität. Ja? Meine Werke überdauern durch die Tatsache, dass sie wiederholbar sind. Ja? Und wenn du dir zum Beispiel Platon anguckst, ja, also Platon hält zum Beispiel Ideen für viel beständiger. Ja? Also eben genau, weil sie der Materialität nicht ausgesetzt sind. Die Perspektive unserer Gesellschaft ist eben Materialität überdauern, aber das ist nichts, was andere Kulturen unbedingt so gedacht hätten. Ja? Rien ne pourra vous faire comprendre quelle émotion je vis quand une petite fille, Annie en l'occurrence, me parle de ses conditions d'existence. Rien ne peut témoigner du bouleversement que j'ai en racontant à un enfant ce qu'est le progrès et en voyant cette définition complètement transformée par la conversation que j'ai ensuite avec une personne âgée à la fin de cette pièce et qui me fait repenser l'ensemble de mes certitudes. Donc il s'agit finalement d'accepter que l'aléatoire ne puisse pas être enregistré. Et c'est quelque chose qui est une donnée fondamentale des pensées des artistes de notre temps. Accepter l'aléatoire, accepter l'accident, accepter des choses que nous ne pouvons pas reproduire de manière visible.